YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en visite d'île et cette fois-ci, on part à Paris, capitale de la mode. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like si vous faites partie de la team des choux du sang de la veine et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez à Paris. Est-ce que c'est plutôt le PSG? Est-ce que c'est plutôt la mode? Est-ce que c'est le musée Grévin? Est-ce que c'est Régine? Est-ce que c'est Michou? Dites-moi ça en commentaire et nous on y va, c'est parti, let's go. Hop, allez, bleu, blanc, rouge. Oula, elle est motivée d'un coup là, je sais pas ce qui se passe, la bleu, blanc, rouge, la force des Français. Oh, il y a du monde. Eh, hey, il y a des parigots ici ou quoi? Alors, on a comme personnage, on a comme parisien. Je sais pas à lire, donc il y a Jeanne, il y a Rose, Joséphine, Jarry. C'est ça le prénom, est-ce qu'il y a un parisien qui m'est venu, c'est Jarry, la honte. Il y a McFly, Carlito, je sais pas moi, les gens de Webedia quoi. On a Raymond, Laura, le petit couple. On a Stéphane, Agnès, Irène, la Monica, Rouge Pif, le Mathéo, le Calin et la Mounia. Ok, parfait. Eh ben écoutez, ils sont tous mignons ces petits habitants, il y en a plein que j'ai jamais eu sur mon île. Donc j'ai hâte de les croiser, j'espère que les maisons sont décorées aussi. C'est parti, let's go, j'ai mis mon petit béret. Je voulais avoir un béret pour cette vidéo mais je n'ai pas eu le temps d'aller en chercher un. Et puis je me suis dit que d'acheter un béret alors que je le mettrais jamais, ce serait peut-être une très mauvaise idée parce qu'après il serait dans mes tiroirs et je ne le mettrais plus. Après il faut le mettre sur Vinted et le faire partir et c'est chiant. Donc du coup je me suis dit, écoutez, pas de béret. Donc le béret je l'ai mis à Molly et c'est bien mieux parce que c'est elle qui visite et c'est pas moi. Et nous sommes sur un drapeau citron. Alors citron normalement c'est une spécialité de vernis et tout, non? Alpes maritimes, bah menton, bah oui c'est menton. J'étais pas très loin, hein. Nice, Côte d'Azur, c'est bon hein. Donc du coup on est un petit peu avec les sudistes aussi, on n'est pas que entre parisiens ici. Oh. On a les représentantes du sud juste ici. Il manque plus que des représentantes du nord et ce sera bang. Alors le premier qui me dit que je me moque des accents, alors que moi je viens de Belgique et que j'ai le pire des accents, mais bon il est... Bon, on continue. Les gens se demandent, mais où est-ce que je suis? Cette personne est folle, je suis désolée. Je suis très fatiguée. J'ai filmé peut-être un petit peu trop de vidéos avant. Mais 25 vidéos, faut les pondre, hein. J'ai pas le temps, moi, hein, de niaiser, hein. Je vais à l'aéroport. Alors, je suppose que l'île s'appelle Citron. Nous sommes sur un aéroport bleu et ça m'a l'air quand même d'être des citrons, hein. C'est quand même bien écrit citron, hein. C'est parti, entrée de l'île, bim. Déjà, directement, on peut aller à gauche. On est sur un petit jardin japonais des familles. C'est très mignon. Oh, il y a la créatrice là-bas. Et oh, c'est beau. J'adore. On est dans un quartier japonais, mais dans Paris. Écoutez, on rentre, on va voir chez qui on est. Il est une maison asiatique, lui. À la base, je pense pas, c'est que ça a été modifié. On est dans un bar à ramen, mais j'adore. Enfin, je m'attendais pas à tomber sur un bar à ramen en premier en visitant Paris, mais trop contente. Bienvenue dans ma maison de rêve. Attends, si c'est ton rêve, on est donc dans ta maison de rêve. Maybe. On est sur un petit bar à ramen, mais très typique, très petit en fait. Et justement, on dirait vraiment pas du tout un bar à ramen à la parisienne. On dirait vraiment un bar à ramen, mais dans un petit endroit, dans une petite ruelle du Japon, où tu manges vite sur des manches debout et puis tu pars, quoi. Mais c'est très mignon, c'est très joli. Calin, je ne savais pas que tu étais fan de ramen, mais ces ramen me donnent très très faim. Le poisson là-haut, c'est trop bien fait. Du coup, je suis pas du tout dans le thème avec mon béret, hein, là, mais bon. Alors, on continue. Et là, on arrive dans une petite ruelle toute belle, toute mignonne. C'est très beau ici. Oh, c'est beau! Regardez-moi ça comme je me balade bien. Oh, c'est joli! Très très belle cette rue. On est déjà chez la créatrice. Bah écoutez, on va y aller. Hein. On est sur une classe d'art plastique. Ils sont en train de dessiner, je pense, le modèle qui est au milieu, je suppose en tout cas. D'ailleurs, dans Bridgerton, il y a ça. Ici, du coup, on est dans l'atelier. Je pense, ça a l'air d'être un atelier. Attendez, non, ça a l'air d'être un commissariat de police où on enregistre quelqu'un qui parle. Oh, on est dans le bureau du président. Bah alors, Macron, coucou! Une classe, trop bien. Ok, donc on est dans une école là. Oh, c'est bien fait là, l'estrade. Ah bah, je suis con, je connais cet objet. J'avais oublié que cet objet existait. Écoutez, simple, basique, cours de sport quoi, hein, salle de sport. Cours de basket. Elle en se casse, on n'est pas trop sport. Oh, c'est beau, j'aime trop cette ambiance. Ça change complètement de ce que je visite d'habitude. Oh, métropolitain! Oh, trop bien, c'est trop bien fait. Le motif est trop bien fait. J'ai l'impression d'être dans Ratatouille quoi. Oh là là, cet immeuble est incroyable. Waouh, incroyable. Oh, les petits canards, les pigeons. Les pigeons près de la fontaine. Oh, c'est si beau, mais regardez-moi cette vue. Oh, une nouvelle tête, youpi, tu es une de mes fans. Hein. Me fais pas marcher, j'en suis sûre. Bien sûr, trottine, c'est moi. Oh, viens, je te parle. Waouh, elle est trop mignonne. Oh, mais non, je sais pas lire. Si quelqu'un sait lire en commentaire, n'hésitez pas à me traduire. C'est un énorme bâtiment et il est incroyable. Il est massif de ouf. Ici, on arrive sur... un petit marché, petit café. Petit café, on dirait vraiment Ratatouille. Avec les petits sièges bleu, blanc, rouge.
C'est les bâtiments qu'il faut regarder, ils sont trop beaux. Oh, elle est belle la maison, comme ça elle passe trop bien. Je rentre dans cette maison. Ouh, on est dans un bar lounge, on est dans un club de jazz. Incroyable. J'adore, elle s'éclate la Molly. Oh, c'est magnifique. Trop mimes. Allez, éclate-toi Molly, ça tue ce bar. C'est beau. C'est trop beau et ce plat, ça fait vraiment typique plat de brasserie parisienne en fait. Genre les fish and chips avec les frites. Mais c'est classe de ouf. C'est stylé. Oh, sympa. Alors ici, je me croirais au Pudding Coffee, qui est un bar à Barcelone. Et pas du tout à Paris, mais je suppose qu'il y en a sans doute à Paris. Oh la chichette, tu veux regarder avec moi? Allez, viens. Mais tu dis coucou d'abord, hein. C'est Charlie, hein, c'est pas Tommy. Hein. Fais pas sa star, Charlie, va à l'essentiel. J'ai bien fait de monter, dis donc. Oh, c'est beau. On se croirait chez La Durée. On vient manger des petits macarons chez La Durée. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est splendide. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, regardez, elle est contente. C'est super beau. Magnifique. Ce petit salon de thé est incroyable. Je m'y plais très bien. C'est trop bien fait, la terrasse extérieure comme ça. Oh, avec le petit Vespa, la petite... Oh, c'est trop beau. Eh ben, je ne suis pas déçue. J'ai failli ne pas monter. Hein. Eh ben, je vais voir en bas du coup. Oh oui, trop bien. Petit bar sympa aussi. C'est beau. On peut se laver les mains ici ou c'est une fontaine? Ben, c'est sympa. Hein. Pah, ça tue. Allez, on continue. Il y a trop de trucs à regarder sur cette île. On n'a pas fini, quoi. Il y a trop de rues et tout ça. On est vraiment... purée, c'est hyper ouf. Ok, on a les Sœurs d'Oie de Fée juste ici. Une petite terrasse là-haut. Petite terrasse parisienne. Des toits de Paris. Il y a un disquaire. C'est trop bien fait. Et on va lui parler à lui. Bah non, ça sert à rien, en fait. Il parle pas français. Tu parles pas français, c'est dommage. Je peux pas communiquer avec toi. Je n'ai pas été sponsor par Rosetta Stone. J'ai l'impression que là-bas, ça tue. Hein. Oh! Oh, elle est belle, boulangerie 28. Waouh, incroyable. Mais tout est incroyable. Regardez-moi ces grands immeubles, c'est trop bien fait. Cette rue parisienne est trop bien faite. Pas là là, pas là là, ça tue. C'est sublime, avec les petites terrasses à chaque fois. La Durée, excellent. C'est La Durée, mais trop bien, mais incroyable. Oh, trop stylé, de chez trop stylé. Il y a des macarons, oh, il paraît qu'ils sont bons. Je prends une petite photo, je me permets. Dommage que j'ai pas une copine, hein. Je suis un peu seule. Hein. Oh, je suis Emily in Paris. Ah, je suis Emily in Paris, j'adore. Mais oui, mais je suis con, j'ai pas pensé. Oh là là, c'est beau, la deuxième rue. Café des Deux Moulins, c'est incroyable. J'adore. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas été à Paris. Bah, je suis très contente de visiter. Hein. J'ai l'impression d'y être. Elle est contente. On est au Café des Deux Moulins. Il y a un petit passage juste là. Et ici, on arrive où? Incroyable. Encore un petit café. Avec une vue à chaque fois, mais le métro, encore une fois. Oh, on est où? On est où, là? Attendez, je me recule parce que je sens que ça va être ouf. Waouh, Notre-Dame! Oh là 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 là, incroyable. On y est, c'est comme si on y était. Incroyable. Je suis obligée de me prendre en selfie devant Notre-Dame. Je veux dire, à un moment donné, on est touriste ou on l'est pas. Oui! Ouais, elle est trop bien cette photo. Je suis une vraie touriste. J'adore. Incroyable. Et ma photo est incroyable apparemment. Je suis contente de mon selfie avec Notre-Dame. Je visite Paris sur Animal Crossing. C'est trop bien. Incroyable, les créateurs de cette île. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Elle est trop mime, celle. J'adore sa tenue, j'adore son look. Je sais pas ce que tu me dis, mais je suis très contente de te voir. Tu es très stylée. Raymond n'est pas chez lui. Quelle déception. On est dans une petite marina, juste là. Bord de Seine, sans doute, hein. Puisqu'il y a Notre-Dame pas loin. Ici, je ne sais pas. On dirait qu'il y a un fleuriste. Ou une fleuriste. On va voir à l'intérieur si c'est bien ça. C'est Mounia, la fleuriste du village. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait de venir. Bonjour. Ma demeure est loin d'être un palace, mais je t'invite à t'y détendre autant de temps que tu voudras. Écoute, moi, je veux juste un bouquet. Je voudrais un petit bouquet de fleurs, Mounia. C'est trop beau, c'est très très mignon. Il fallait réussir à caser tout ça dans une si petite pièce. Et bah écoutez, on est bien chez la petite fleuriste. Elle est pas fleuriste, Amélie Poulain. Dis Thierry, c'est quoi le métier d'Amélie Poulain? Ce que j'ai trouvé sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un film franco-allemand de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001. Voilà. C'est tout ce qu'on a ici. Elle est serveuse au café des Deux Moulins. J'ai bu un café là-bas. En gros, ça Amélie Poulain alors. Est-ce que j'ai pas enfin compris le thème de l'île? Moi, j'étais dans Emily in Paris, hein, mais bon. Amélie in Paris. Je pense que c'est peut-être Jamel Debbouze le fleuriste. Ouais, bah du coup, Mounia, c'est Jamel Debbouze. Enfin, je pense. Elle est serveuse aux Deux Moulins et on a été boire un café aux Deux Moulins juste avant. Je pense que c'est des refs à Amélie Poulain, c'est possible. Et qu'elle fleuriste juste là, ça peut être ça. Ici, j'arrive pas trop à savoir qui c'est. Peut-être une vendeuse de citron. Oui, une affiche de citron juste devant. Oh non. Pasta Corner. Petit fast-food de pâtes, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est cet objet, je l'avais jamais vu. Hein. Stylé. On dirait trop un truc d'Irish Coffee. Oh bah alors, on est où ici? On est chez Louis Vignac.
Bah écoutez, c'est très très mignon. Chez Louis Vignac, dans le salon de père. Écoutez, on va aller voir ce qui se passe ici. C'est très fleuri en tout cas. Oh, chez Laura. Purée, ça a changé chez Laura. On serait pas sur un salon de bien-être chez Laura. Très très sympa, dis donc. On continue. Ici, on a le petit musée. C'est un cul-de-sac après, donc je remonte. Oh, chez Matteo. Alors, Matteo, tu fais quoi? Matteo, il a l'air de tenir un salon de café et de thé. J'ai l'impression qu'on peut se faire un bon petit café, un bon petit thé, un petit torréfacteur où on va chercher son thé ou son café. Voilà. C'est très chic chez toi, Matteo. Agnès, coucou! J'espère que ton séjour sera agréable. Peut-être qu'on se recroisera, cacou. Cacou, c'est toi le cacou. Tu dis cacou alors que c'est du caca. T'as du caca sur le doigt. Bonjour. Voilà, je sais pas ce que tu me dis. Et ici, on arrive à un endroit. Oh, c'est Montmartre. Pas, ça tue. Et ça, c'est les marches. C'est toutes les marches ici pour aller à Montmartre. Trop bien. Il y a le téléphérique à gauche ou quoi? Pas, ça tue. Petit selfie devant Montmartre quand même. Avec des touristes qui gênent. Hein. On est bien à Paris, on est bien à Paris. On n'a jamais notre photo seule, hein. C'est le jeu, hein. C'est comme ça. Sauf si tu te lèves très tôt. Une fois, j'étais très très tôt à Montmartre. Et du coup, ben, j'ai vu Montmartre vide, c'est très beau. On continue dans une allée, petite allée des embrumes, juste là. Ah, c'est le passage secret. Ici, on a un passage secret pour aller directement sur la plage de Rounard et au musée. On le voit sur la map. Le Stéphane, je sais qu'on se connaît pas, mais je peux te dire que tu vas adorer cette île, Feufeuille. Eh ben ouais, tu sais quoi, j'adore. Oh, quartier japonais. Quartier japonais ou quartier chinois? Waouh, incroyable. C'est magnifique, c'est splendide. Est-ce qu'il y a un quartier japonais à Paris? C'est ça la question. C'est hyper beau. Oh là là, c'est zen, c'est sympa. Ah non, tu vas me donner envie de refaire un thème jap. Non, c'est trop beau. Alors, on a vu des ramen, est-ce qu'on va manger des sushis? C'est rouge pif. Chez rouge pif, on mange quoi? On dirait qu'on boit du thé matcha chez rouge pif. Ça a l'air très vert. Est-ce qu'on est sur des trucs au matcha? Ça a l'air très très bon chez toi. Hein. C'est très beau en tout cas. C'est un petit bar, petit resto, je sais pas. Coucou, ça fait toujours plaisir d'avoir de la visite, même dans les rêves. Restons un peu. À la tienne! À la tienne, Étienne. Santé, chin. Pim. Il y a une petite rue ici. Oh, c'est beau. Et voilà, YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite visite d'île spéciale Paris vous a plu. Franchement, j'y étais, j'ai trop aimé. J'étais entre Amélie Poulain et Emily in Paris. Emily in Poulain ou Amélie in Paris, je ne sais pas. Mais j'étais dedans, en tout cas, j'ai trop kiffé. Franchement, Montmartre et Notre-Dame et le petit café des Deux Moulins, j'ai adoré. N'hésitez pas à noter la déco de cette île sur 10 dans votre commentaire. Et si vous êtes resté jusque maintenant, rajoutez un petit emoji de couleur verte. Comme ça, je saurai que vous faites partie de la team des vrais, du sang, de la veine, de la surveine. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de me rejoindre sur mes réseaux. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye! Pa!